Et le bonjour, est-ce que tout fonctionne? Ça a l'air. Vince. Par contre, la caméra elle est beaucoup trop proche, n'est-il pas? Hein? Coucou Sorette, comment ça va? C'est quoi ça? Pourquoi je vois le petit Simone qui me fait merci pour le sub? Merci Kalina. Merci beaucoup. Je sais pas si je vous le montre en fait, c'est le colo pour... Merci beaucoup pour ton prime. Coucou Juliette. Comment ça va les filles? Est-ce que je vais finir une phrase? Je ne sais pas. Est-ce que je vous le montre ou pas? C'est le colo pour... Bah, je l'ai pas fini, hein, clairement. Pour Gaëlle. Parce que je sais pas si je vais pas faire quelques lives dessus quand même. Je peux déjà vous montrer l'avancement. Bah non, vous l'avez vu, il était là. J'y ai pas retouché depuis, me semble-t-il. Je sais plus ce que je fais, hein. Le Harry Potter. Get up, get down. Je réponds même pas si je ne suis. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas habituée à avoir. À part Dino qui passe de temps en temps, s'il y a papy aussi. Mais ouais, je suis pas habituée. À... On est des gonzesses ici. Hein. Mais ça va? Ça a été le travail? Ce matin, je suppose. Faut que je retravaille là, ça va pas. Ça montre tout ça va pas. Non, reste avec nous. Coucou Mataz. Comment ça va? Oh, attention, la copulation, c'est parti. À quoi il va ressembler? Bah l'autre, il est pas jojo. Le violet rouge, c'est pas ouf, hein. Bon, ça va encore, ça passe. C'est quoi sa bouche? Puis il a du poil sur le torse. Coucou Gaïoul. Gaël, est-ce que je peux montrer mon avancement ou pas? Pour le colo, où tu vas me taper? Mais merci Gérard. Merci Sarette pour le Prime. J'ai gentil. Je peux montrer? Tu peux montrer? Du coup, bah j'ai pas trouvé le dans le Kirby. J'ai toujours dans la tête, mais j'ai toujours pas trouvé. Donc j'ai commencé celui-là dans le cercle de la vie. Donc c'est le cycle de la vie d'un papillon. Donc c'est plus de papillons que de. Il n'y a pas de chenille en fait. C'est juste le cocon. Mais vous voyez là, il y a toutes les ailes là. Là, il va y avoir plein d'ailes là, plein d'ailes là. Bah là, il y a le gros papillon déjà là. Hein, et puis après, il est gros, gros, gros. Mais. Mais ça suffit! Merci Vince, je vous fais plusieurs. Merci. Mais arrêtez maintenant parce qu'après je vais pleurer. Oh mais non, mais faites pas un train! On n'est pas copains avec la SNCF, nous! Merci beaucoup. Ça y est, je suis gênante. Je vais être comme papy. Ça suffit maintenant. Coucou Kiniki! Kikiniki, c'est ça? Kiniki? 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 Benvenidos. Donc, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Faut que j'arrive à trouver un combo feuille qui fasse pas feuille trop. Faut que je mette un peu de marron, je pense, dans mes feuilles. Pas que ça fasse trop flashy. Mes nuages, ouais, mes nuages plastiques. C'est ça le secret, c'est le plastique. Le plastique et le pastel sec. Ah bah j'ai cassé la lettre. La lettre? Quoi? Gaël? Mais qu'est-ce que tu dis, Gaël? Coucou Mag. Est-ce que vous avez du temps pour Rave aussi aujourd'hui? Il pleut, il fait à peu près potable. Il pleut, il refait à peu près potable.
Oui, ou Nat, depuis le temps que Taz me parle de toi. Ah ouais? Mais oui, mais il faut qu'elle arrête de parler de moi. C'est gênant. Vive le plastique, ouais, le plastique, c'est fantastique. Oh, merci, Vince. Alerte, j'ai sub. Ah, faut que tu refresh. Mais non, faut pas sub, madame. Mamie a tout pété. Orage en Lorraine? Ah, mais ce matin, avant d'emmener les enfants à l'école, mais c'était. Oh, grosse drache. Du coup, je les ai bien habillés, ils vont avoir bien chaud. Ils vont me détester. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça suffit. Les petits pigeons, on aime ça. Merci, ma gaïoule. Mais arrêtez maintenant. Ça suffit. Un par jour, c'est bien. Un par stream, je veux dire. C'est ton colo est beau et le temps il est pourri. Mais non, c'est ouf. Mais puis ce week-end, c'est la fête au. C'est la fête au village. Tes beaux-parents. Du coup, j'espère qu'on va quand même avoir un temps potable. Ah, en bien, elle a parlé de moi. C'est bien. C'est bien, Taz. Continue alors. Merci, ma gaïoule, encore. Merci pour vos subs. Vous êtes chou, vous êtes mignon. Vous êtes trop mignon, comme dirait Jade. Oh. Rourou, ouais. Je suis kiné, je peux plus écrire à plus dès je suis rentrée. Bisous. Ouais. Oh, vous êtes trop mignon. Coucou, Gamli. Est-ce que tu viens d'acheter le livre? Non, ça fait un bout de temps que je l'ai et j'avais beaucoup de mal à retourner dedans. J'avais fait un truc moche. J'avais fait ce truc moche-là au début. Je sais plus, ça devait être pour un challenge ou je sais pas quoi. Il fallait des planètes ou je sais pas quoi, je pense. Donc j'avais dû me forcer à le faire, celui-là. Mais le fond, il aurait mérité d'être fait en deux, trois couches. Mais bon, team flemme. Coucou Zazavel. Ouais, tu l'aimes bien, celui-là? T'aimes bien? Ouais. Bon, bah, il date, hein. Il date. J'avais fait celui-là et j'avais fait. Ça, je me souviendrai. C'est parce que je l'ai fait au début que j'avais fait les streams, me semble-t-il. Si ça te dit, quand je vais avoir envie d'un truc intense, on pourra faire un duo. Mais oui. Pour une fille qui aime pas les détails. Ouais. Arrêtez, j'ai encore regardé un peu les sorties là qu'il allait avoir ce matin. J'ai regardé un peu. Mais le truc que je. C'est quoi? Comment il s'appelle? Disneyland Paris, là, qui va sortir? Mais c'est pas possible, ces détails. Moi, je peux pas. Moi, c'est non. Oui, celui-là, j'avais bien aimé le faire. Quasiment tout au matériel aquarellable, sauf la fleur, là. Sinon, le reste, c'est tout. Ça aussi, c'est peut-être pas du aquarellable. Mais la flotte, les herbes basses, enfin, les algues, là, c'est du aquarellable. J'en ai pas fait d'autres, me semble-t-il. Ah, si! Là, on avait fait un pour Didi. Le. Mais j'aime pas non plus ce que j'ai fait. Pour le thème Japon, je lui avais envoyé. Je sais même plus si je lui avais envoyé. J'avais fait un duo avec Sœurette. Suite Sœurette, il est mieux. J'adore ce livre, mais il faut que je sois motivée et envie de colorier pour y aller. Mais. Là, je game plus que je colorie. Tu joues à quoi en ce moment, Gamli? Ouais. Ouais, en duo. Moi, je. Mais j'ai vu, il y a des ruches. Ces deux pas, je les aime beaucoup. Hein, big up Kalina pour les ruches. Mais ouais, j'aime bien. Il y a encore celui-là aussi pour. Mais celui-là, je me suis dit, il y a une chenille, c'est mort. Gaëlle, elle va me tège. Je peux pas prendre celui-là pour le thème parce que bah il y a une chenille, il y a un cocon et il n'y a qu'un papillon. Donc elle aurait pas voulu. Même si en soi, c'est le cycle de la vie de. Je cache, c'est bon. Donc, ouais, je continuerai celui-là. Mais aujourd'hui, je voulais commencer le JO du colo de Kiran. This Reading Light. Papy m'a redonné envie. J'y ai joué hier soir. J'ai fait les yeux, les petits yeux du chapeauté à Doudou. Je peux jouer un petit peu ce soir. Parce que c'est sa PS5. Hein. Mais j'ai joué un petit peu hier soir. Mais pas. Du coup, on avait fait celui-là la dernière fois. Mais donc, c'est pas celui-là ce mois-ci. J'ai encore un mois de retard. Mais je vais jamais récupérer mon train.
Ce mois-ci, c'est Cusco alors qu'il faut faire. Mais bon, je suis pas la seule à être en retard. T'en es où, toi, Kalina? Ah, j'ai raison! J'ai raison! C'est celui-ci ce mois-ci? Je suis pas en retard? Mais c'est magnifique! Mais c'est cool! J'ai ouvert mon jeu et j'ai été prise dans une faille. J'ai été prise dans le jeu pendant 2-3 semaines. Puis là, je vois Papy qui joue tout le temps! Bah, il y a Fozzy qui est retombé dedans aussi, du coup. Mais non, j'aime bien. Mais bon, tu vois pas le temps passer quand t'es là-dessus. C'est ça le problème. C'est comme les Sims. Les Sims, j'ose pas le lancer parce que je sais que je vais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est ouf. On a reçu une émote. Mimi. Il est mini. Good one, il s'appelle. Oh, tchou-tchou. Merci les copains. Du coup, j'ai tous mes drawings de sortie. J'ai toujours pas rangé mes collines, hein, n'empêche. J'ai toujours pas. Je me souviens plus lequel colo j'avais fait avec les collines. Mais ils sont toujours sortis. Allez, on rentre, les enfants. Donc, on va faire Hercule. Est-ce qu'on a les combos? Je pense. Yes, no. Et je suis contente si je n'ai pas de retard finalement. Et il y a des nuages. I'm happy. J'ai joué à mon jeu de combat hier, super prenant, j'adore. Mais j'ai rêvé de combat. Ah oui, ça m'arrive souvent de rêver de ce que j'ai fait dans la journée. C'était quoi la dernière fois? Ça m'avait pris la tête. Bah, supermarket, je crois, j'en ai rêvé toute la nuit. Mais de toute façon, déjà, ce jeu me fait gerber. Le FPS, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, le mode de jeu là. Où tu vois pas le personnage, mais tu fais que bouger, la gerbe. Je vais passer en lurk comme chaque fois. Bisous, Isabelle. Merci pour le lurk. Oh mince, c'est passé à travers. Bisous. C'est quoi comme jeu de combat? Tu fais du fight. Du coup, Hercule. Oh là là, les coups dans le micro, c'est gratuit, hein. Je sais pas si vous l'entendez du coup quand ça fait ça. Mais ça va être Hercule quand il est grand. C'est pas gênant, il a la même tête. Ou pas? Dynasty Warrior 8, ça ne me parle pas du tout. Je vois pas ce que c'est. Donc je vais devoir arrêter de jouer avant le dodo à ce jeu, c'est clair. Oui, avant le dodo, il faut privilégier la lecture, hein. Moi, c'est ce que je fais pour pouvoir bah, dormir. Tout simplement. Tu colo un peu de tout. Ouais. Disney hors mystère. Disney hors Disney. Mystère, oui. Tu veux que je te montre un peu? Ce que je fasse? Ce que j'ai fait? Oui, le colo de tout. Ouais. Sauf du mar. Non, comment ça s'appelle? Celle que Taz aime bien, là, colorier l'hiver, là. Attends. Je lui ai revendu un bouquin parce que moi, j'y allais pas. Clara Markova. Moi, je peux pas, Clara Markova. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai du Berman. Qu'est-ce que j'ai fait dans le Berman? J'avais fait cette double page, là. C'était le avec Zazou en couleur. Ouais, c'était avec c'était le calendrier de l'Avent qu'on faisait. J'avais acheté le bouquin exprès, hein. Je suis comme ça, moi. Puis après, vous voyez le livre, wow, je le colo beaucoup. Si j'avais fait celui-là avec les Brutes Fenor Macaron. Et je crois que c'est les seuls que j'ai fait dans le livre. Donc c'est pas bien. Il faut me mettre des fessées. Voilà. Je vais peut-être pas le remettre par-dessus parce que je vais reprendre dans la pile. Celui-là, j'essaye de l'avancer un peu tous les mois, mais ça fait 2 mois que j'y suis pas allée. Johanna Basford, non, j'y vais plus non plus. J'avais commencé avec du Johanna Basford. Mais bah d'ailleurs, je l'ai sorti l'autre jour parce que je voulais savoir dans quoi c'était les papillons là. Je cherchais même jusque dans le Basford, mais il est horrible. C'était avec des crayons super secs, comment vous dire. Voilà ce que je faisais en 2016. Oh, que c'est moche! Oh là là, il est dégradé là-bas! Oh là là, que c'est moche! Du coup, bah, la double page, voilà. Ah oui, il y a des livres partout chez moi. Il n'y a plus de place. Les armoires débordent. Il y en a partout. Et celui-là. Ah, j'avais adoré le faire, celui-là. Hein, Kalina. Son livre est puni. Non, mais tu vois, il a été dépuni, il est sorti du coin. Mais je pense qu'il va pas tarder à y retourner. Ce serait bien de faire.
L'autre page, justement. Celle-là? J'avais fait ça, du coup, c'est bon. J'ai mis ma... J'ai recollé. Sinon, il y a celui-là. Vous... Merci, Juliette. Celui-là, il passe hein, pour Gaël, si jamais. Papillon. Et celle-là, il y a plein de papillons aussi. Ça passe. Ça passe. Là, faut... c'est pour ajuster votre écran. Page papier peint, je sais pas, ça m'avait pris. J'avais envie de faire une page papier peint. Moi, c'est cette page-là que j'aimerais bien faire. Enfin, cette page. Cette double page-là. Un jour, peut-être. Mais ouais, on avait fait ça pour le thème Miam de Didi avec Kalina. Donc y a des oranges et des mandarines, mais pour moi c'est pareil. Non, dans le Johanna Vasford, il y a quoi? Comme ça, on verra. Ah, la deuxième page, je sais pas. Ça fait beaucoup de bleu. Jamais... J'avais fait le raid moche là. Tu dois baisser ta musique un peu. D'accord. Je vais baisser la musique. Mais dites-moi, n'hésitez pas, hein, je vais pas vous taper. Hein. Je sors pas la savate, moi. C'est bon, vous l'entendez toujours ou pas? Ok. Je m'étais même trompée, j'avais fait du ou alors que c'était pas du ou. Je m'étais fait disputer. T'aimes bien le fond? Ouais, bah j'ai galéré. Hein. J'ai mis plusieurs couches. Hein. Moi et mes nuages. Là, ce mois-ci, je sais même plus lesquels qui sont prévus de faire, mais. Voilà. Il y avait l'ananas qui était à faire, je me souviens. Et pas fait. Ah, mais moi, je n'aime pas me forcer. Il y a lequel qui est sorti aussi. Là, le Luna. Maria Troll. J'y vais pas assez dans le Maria Troll. J'avais fait celui-là pour le thème fleur. Fleur de Gaü. Qui a disputé? Je sais plus. Quelle critiqueuse envers elle-même. Mais oui. Tu utilises quoi comme médium? Aquarelle, pastel pour les fonds? Bah, j'utilise un peu de tout. Le gesso noir aussi. Je t'ai pas disputé, je t'ai fait remarquer. Ouais. Mais tout le groupe a fait du ou au lieu du gui. Bah ouais. Merci. Ouais, Kalina, c'est dégoût. J'avais fait celui-là pour le thème de Japon de Didi. Ouais, j'avais encore fait les voilà. Mon super. Bah mince, je l'ai mis où mon plastique? Là, faut pas que je perde mon plastique. Hein. Si je perds mon plastique nuage, je vis plus, moi. Ah, il est là. Faites-vous un hein, plastique nuage, c'est la vie. Oui, j'aime bien, ouais. Et j'avais fait une autre. Non, c'est pas dans celui-là, la double page que j'avais fait pour Killy. Non, c'est dans le. Le Weir. Non, le Twilight Garden, puis il est trop loin. Il est trop loin. Qu'est-ce que j'ai aussi que je pourrais te montrer? Là, j'ai le Aksan Stuga. Bah, j'en ai fait avec Taz. C'est le mois dernier, déjà, ou c'était ce mois-ci? Il n'y a pas longtemps que j'ai fait celui-là. Moi, Maria Troll, j'aime regarder, mais ça m'intéresse pas à colorier. Et Loana Carzon, c'est non pour moi. J'aime pas comment elle dessine. Pas fait pour moi. C'est ce que disait Taz. Et finalement, bah, elle a acheté ce livre pour le faire avec moi. Du coup, on a déjà fait celui-ci. Mais moi, j'aime bien Anna Carzon. La semaine dernière, tu vois, je m'en souvenais même plus. Kalina, tu tiens calendrier? Kirby, ouais, je fais du Kirby, j'adore Kirby. Kirby, c'est la vie. Du coup, j'en déduis que vous êtes des noobs en plantes, mais c'est pas grave. On vous aime quand même. On interprète le colo comme on a envie, d'accord? Ou le week-end d'avant, je sais plus. Ouais, bah moi, c'est loin de mon panier. La mini-vie n'a pas de prix, ouais. Bah disons que j'ai un peu plus de RAM qu'elle. Ouais, maintenant j'ai plus beaucoup de. J'avais fait d'autres choses là-dedans. Celui-là, bon, ça passe encore. Ouais, fond à l'aquarelle là. Ça c'est le wedge. Mais je le referai, ça serait pas comme ça. Je colorie plus comme ça, j'ai l'impression. Ça date ça. Ça date de quand j'allais encore sur la chaîne de Julie Nueva, donc c'est vous dire comment ça date. Mon Dieu. Ouais, tu vois, j'ai pas beaucoup avancé celui-là.
C'est pour ça, Taz. Merci. On va pouvoir avancer ensemble. Est-ce que j'ai du Kirby là sur la main? Je te montre un Kirby. Attends. Il y en a partout. Attends. Insta. Qu'est-ce que j'ai fait de mes Kirby? Ah, je les ai peut-être tous rangés finalement. C'est les seuls qui sont rangés. Ouais, j'en ai beaucoup des Kirby. J'en ai beaucoup. Et j'attends le Fairy Tail là, franchement. Oh mais non, je vais pas le précommander parce que je sais que ça va pas valoir le coup, je vais jamais le recevoir, ça va être la merde. C'est très beau, on dirait la clé. Coucou Kel, comment ça va? Oui, c'est leur moon. C'est une fois que je l'ai mise en couleur, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et Panorama, c'est Panoramimix qui m'a fait la remarque aussi. Mais c'était pas voulu à la base. J'ai la mèche qui. Voilà. La personne est spéciale. Moi, j'y vais plus depuis une histoire personnelle. Ah, oh, mais moi, non. Et pourtant, j'y allais, voilà. Mais non. Oh non, je suis désolée. Non, non, non. On traite pas les gens comme ça. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Oui, en 2025, il va sortir un sur les contes, mais en version Dark. Dark Fairy Tail, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle. Mais il a déjà teasé quelques trucs. Ça va être trop bien. Ouais, moi, j'y vais plus non plus. Ça va à peu près. Vivement ce soir, c'est le week-end. Ok. Courage, Kaël. T'as besoin. Celui-là, j'avais voulu tester. Mais non! Il se fout de ma gueule, papy! Papy! Qu'est-ce qu'on a dit hier? T'étais pas bien hier? T'as pas kiffé les abos? Et qu'est-ce que tu fais Coucou, papy! Merci! J'ai voulu faire un fond sur celui-là, un fond. Mercredi, comment ça se dit? Marbre? Bah, c'est loupé, hein. Comment? Ouais, t'étais pas bien hier, hein, quand les gens, ils faisaient des subs et tout chez toi, hein, qu'ils envoyaient des bibites, et, hein? T'as pas aimé les bibites? Alors, arrête un peu. Ok, Taz. Un marbrure, ouais, c'est pas ouf, hein. Hein, c'était un test. C'est lequel celui-là? Le haut. Ah ouais, je l'aimais bien, fut un temps celui-là. J'allais souvent dedans. J'avais fait bah, ça pour Julie. Mais celui-là non plus, j'aime pas. Mais vous êtes encore trop près là! Pourquoi je ne peux pas te donner mon subprime? Ah bah j'ai eu la même hier chez papy. J'ai dû refresh trois fois. Trois fois? Là, vous, ça va pas non plus, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas bien là? Mettez-vous à l'aise, les amis. Voilà. C'est quand le prochain Kirby, tu as dit? Bah, ça aurait dû être là pour toi, si j'avais trouvé le cycle de vie de papillon de chez Kirby que j'avais dans la tête, mais je ne l'ai pas trouvé. Non, j'aime pas, celui-là, je l'aime pas. Il y en a, j'aime bien. Celui-là, j'avais suivi un color long. C'est comme ça que ça s'appelle? J'avais suivi un color long pour faire celui-là. C'est le premier que j'avais fait dans le bouquin. Et ça va. J'ai rajouté des nuages, mais là, à l'époque, les nuages, ils étaient moches, mes nuages. Ah, ok. Je refruchais. Tu refruchais? Non, je suis pas super difficile. Je trouve que je suis quand même la moins difficile avec moi-même entre vous toutes. Non? Taz, c'est pas possible. Didi aussi, elle est difficile avec elle-même. Kaël aussi. Non, je trouve que je suis cool, moi. Non? Non, j'ai pas. Elle a pas compris, la dame. Non, j'ai peut-être pas compris. Faut m'expliquer longtemps. Toi, c'est la pire des pires, Taz. Mais oui. Toi, tu vas jusqu'à déchirer tes colos et les recommencer. Moi, j'ai la flemme de faire ça. J'ai un Kirby, un Basford et un autre support pour le défi papillon. Donc ça en fera trois. Et un autre support. Ok. Tu teases, tu teases. Et moi, je pue le pâté parce que j'aime ce que je fais. Ouais. Toi, t'es à part. Toi, t'es the perfection.
Non, en ce moment, tu pars en couille. Tu passes beaucoup de commandes. Moi, je suis pas difficile envers moi-même quand je me compare pas. Mais il faut pas se comparer, ouais. Non, c'est faux. Si, quand même. J'avais fait celui-là. Ça, c'était du temps de quand Lady DCR, elle faisait des lives. Oh, j'aimais bien. Voilà. Et là, j'avais commencé, vous voyez, les nuages. J'avais commencé. Mais moi, ouais, celui-là, je l'aime bien. Et pourtant, ça fait un moment que je l'ai fait. J'aime tes pierres dans la cage. Ah, les cristaux. Ouais. Merci. Petit bon, bah, les paillettes. Hein. Moi, je suis team paillettes. Hein. J'adore les paillettes. Et les licornes. J'avais pas fait plus que de colo que ça dans celui-là. Mais c'est pas normal. Ah, l'astronaute. J'avais kiffé le faire aussi, lui. Oh! J'avais essayé de reproduire le fond style de je sais plus qui. C'était pas Marine Art. Qu'est-ce que j'avais kiffé. Puis je me suis amusée à mettre du washi holographique et tout. Ah non, j'ai kiffé le faire celui-là. Oui, on les faisait ensemble à l'époque. Et ça, c'était avant, quand tu coloriais. Hein. Mais ouais, non. Ah, Kirby, j'adore. Mais oui, celui-là, il faudrait que j'y retourne. Ah ouais, Kiran, elle est sur celui-là, là. Enfin, je sais même pas, ça se trouve, elle a peut-être fini. Enfin, en même temps. Non, elle a peut-être pas dû le finir. Elle finit pas beaucoup de colo, Kiran. Elle en commence beaucoup. Moi, je suis dit. Ah, dans celui-là. Celui-là que Cassie m'avait dit de faire. M'a imposé de faire avec les points de chaîne. Oh, qu'est-ce que j'ai kiffé le faire. J'aurais pas cru, hein. Mais j'ai vraiment kiffé. Moudino. Oui, le gesso. Mais bon, il commence à morfler le gesso là. Parce que je protège pas mes colos, parce que flemme. Mais faudrait que je mette des pochettes. Ah, mais je l'aime trop, je suis trop contente. Puis en plus, je l'ai. Ah, Didi! Bah, on croirait, mais en fait, je les fais vachement rapidement. Moi, généralement, mes colos, ils me prennent. Trois après, enfin trois lives, je dirais. Généralement, c'est ce qui se passe. Comment ça va, Didier? Comment il va, le Didier? Je monte mes colos parce que il y a des petits nouveaux. Voilà. Celui-là, c'est le dernier que j'ai fait avec les filles. C'était trop cool. Hein, franchement, ça, ils ont tous de la gueule, hein, moi, je trouve. Donc, faudrait-je qu'on choisisse un autre, puis qu'on s'y remette, hein, les filles, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, c'était cool. Mais c'était la deuxième fois que je le faisais, celui-là, je l'avais déjà fait dans le mytho. Il y a Pou. Pareil, c'était pour Julie. Mais ça date, hein. Une sacrée différence entre les deux, hein. Elle a sorti ses livres et ses colos, et ses critiques, ouais. Et surtout, je mets du bordel chez moi. Parce que je les sors, mais je les range pas. Ah, c'était trop bien, franchement, les filles. C'était cool. C'était cool à faire. Et grimoire en fond. Trop beau. Mais à refaire, j'aurais pas remis du Winsor & Newton. C'était trop chiant. Fallait que je secoue toutes les. Fallait que je secoue toutes les 2 minutes. C'était chiant. Mais ouais, non. Trop le kiff. Mais oui, il faudrait qu'on se refasse. C'était trop bien. C'était trop bien. À chaque fois, je m'attends à ce que mes livres soient plus. Ah bah non, celui-là, il n'y a pas longtemps que je l'ai eu, hein, celui-là. C'est le dernier arrivé, celui-là, je crois. Il me semble. C'est le dernier Kirby que j'avais acheté. Je l'ai acheté parce que je voulais faire. J'avais pas, en fait. La double page. Merde, elle est où? Celle-ci. J'avais pas la double page Méduse et je voulais la faire un jour. Donc voilà, j'ai acheté le bouquin pour ça. Puis bon, bah, il n'y a que certains doublons que je pourrais refaire. Mais j'adore Kirby. Je veux refaire des colos avec vous. Hein, c'était trop bien. Puis finalement, il nous a pas pris plus de temps que ça. C'est juste qu'on l'a pas commencé tout en même temps. Non, forcément. Après, quand on a beaucoup de livres, on veut aller partout et on avance moins les livres. Ouais, mais de toute façon, moi, mon but, c'est pas de les finir, hein.
Voilà, moi c'est vraiment pas mon but. Moi j'ai juste envie de colo ce que j'ai envie de colo, ceux qui me font envie et basta. Hein. C'est pas mon but de finir. Hein. Parce que tu avais pas ma machine à secouer. Mais non, mais de toute façon, j'aurais pas pu vu que c'est un. C'est ça là. J'aurais pu secouer avec ton truc. Il est tout le temps comme ça. Toutes les 2 secondes, t'es obligé de le secouer, c'est chiant. C'est ça que j'ai mal à mon coude. C'est sûr. J'ai fini l'HP ce matin. Arrête. Et Tarkovet, elle en est où? Il y a des colos que c'est clair que je ferai pas. Bah oui. Puis se forcer à faire des colos pour faire des. Non. Non, je suis pas comme ça. Celui-là, il est vieux. C'était ceux de la version plume que j'ai découpé et recollé dans mon édition polonaise. Parce que mon édition plume, elle se détachait toute seule. Voilà. Et quand tu commences le colo et tout, tu sais pas qu'il y a plein de versions différentes. J'avais fait celle-ci, version les 7 nains. D'ailleurs, Hello, elle n'a toujours pas fini celle-ci. Si jamais tu passes par là. Je l'ai croisée hier à l'ophtalmo. Lol. C'est petit, Amiens. Celui-là aussi. C'est ça qui m'a provoqué une panne. Et c'est après ce colo-ci que je suis partie, je crois, de chez Julie. Parce qu'après, le thème qu'elle avait donné, c'était relou. Enfin, il y a trop de. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, pas d'illustrateur comme ça, pas ci, pas ça, machin. Pff, tu demandes, on te dit oui, c'est bon. Et puis au moment où tu commences le colo, on te dit ah, bah non, finalement, ça passe pas. Bon, bah écoute, ciao. Ça va. Moi, je fais du colo pour me détendre, je suis pas là pour me prendre la tête. Pareil, je passe sur l'orque. Ok, si tu le mets bien, il y a peut-être moyen. Ouais. Ou faut que je le tienne pendant que ça se coud, peut-être. Coucou Adé. Eh bah, ben, fais attention sur la route. Dis donc. Attention, hein. Mais voilà. Est-ce que je le referai un jour, peut-être? Je voulais le faire dans les timbres de Raya. Enfin, comment elle s'appelle l'autre? Le dragon, c'est Sissou. Je crois que c'est ça. Et oui, je pourrais le refaire parce que je l'ai dans. Je l'ai encore 2 autres fois, je crois. Non, je sais plus. Ah, l'orque Barbie que j'avais fait pour Didi. Et celui-là, je l'avais fait avec Killy, mais j'aime pas. Ça va se casser la gueule. Elle ressort pas assez, je trouve. Enfin bon, bref. C'était pas ouf. Après, on a la Médusa que je vous ai déjà montrée. Et la licorne. Mais là, j'avais utilisé les. Ah, oh, ça vieillit mal. Comment ça s'appelle? Les trucs 3D, là, de chez Action. Ah, oh, du caca. Du caca. Mais ça fait longtemps, celle-ci aussi. Oh! Tellement longtemps. Ouais, pastel sec, hein. On a pas mal de faits, mine de rien, chez Kirby, chérie. Ouais. Ah oui, Kirby, c'est mon amour. Mais ouais, la version plume, les pages sont. Enfin, il est un peu plus grand. Du coup, j'ai dû couper pour que ça passe. Que la version polonaise. Mais bon, le papier polonais, il n'y a rien à voir, hein. Franchement. Et dans celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais fait celui-là. D'ailleurs, je voulais faire l'autre pour faire une double page. Mais c'est le Posca là, c'est du caca. Il devient rose. Je sais pas si vous le voyez. Il devient rose le Posca. Ça aussi, ça fait un bout de temps que je l'ai fait. Pas avec Didi. On avait fait Didi ça. Oui, le 3D Pearl, c'est caca. Faudrait un tour blanc pour la précédente. Il est en train de se casser la gueule, mon truc là. Le attention Val, il est arrivé après. Merci, papy. Pretty, elle va être contente. Merci pour Pretty. Non, merci pour Zaza. Merci pour Juliette. Merci pour Adé. Oh, puis Dino aussi. Oh, c'est cool. Merci, papy.
non. Puis après, tu vas chez lui, tu fais des subs, il te... il te gueule dessus, je te jure. Allez, ça suffit maintenant, tu te calmes. J'ai pas envie d'arriver au moment où je vais te ban, papy. Calme-toi. J'ai pas envie de pleurer, même si c'est déjà en train. Arrête. Ça suffit. Ça, j'avais fait avec Sœurette. Voilà. Mais, je sais pas. Le fond, il... Je sais pas. Je sais pas. Mais il est fait. Non, tu pleures pas. Je... Non, juste un peu. Mais ouais, non, j'aime bien Kirby. Ah, la tortue aussi. Mais ça avait, j'avais pris les aquamarqueurs, ça avait un petit peu... Non, mais sérieux, papy, moi qui étais en train de chercher comment la sub avec mon Prime. Non, mais hier, je te dis, j'ai eu le tour chez papy. J'essaye, je fais... Mais... Il te met un pauvre message tout pourri, ça voulait pas. Pareil, les bibites, il voulait pas non plus. Au début, je fais, oh, c'est bon, hein? Oh! On a fait beaucoup de Kirby ensemble, en fait. Mais oui. Oui, parce que la boule de la neige, on l'avait faite aussi ensemble. Mais c'est trop bien, Kirby. Tout le monde a peur, mais faut pas. Parce qu'il aide vachement. Puis on pense que ça va prendre des plombs, mais si tu fais élément par élément, non, ça va, ça va. C'est celui-là que j'avais envie de faire depuis que Cassie l'a faite. Oh. Puis ouais, celui-ci. Oh non, mais ça date. Ça date. Non, mais ils sont trop bien, ces livres à Kirby. Mais oui, vivement l'année prochaine. Du coup, bah, j'en ai mis partout. C'est pas possible. Bon, on va peut-être attaquer, non? Ça fait combien de temps que je suis en live, là? Je sais pas, Colo. Ah, mais Kirby, c'est trop bien. Non, ça... Non, franchement, ça va. Puis avec du matériel aquarellable, la chauve-souris... Ah, la version de Cassie en violet et doré, là. Magnifique. Ça s'écrit pas comme ça, mais c'est pas grave. Elle est belle. Ouais. On a compris. Bon, alors. Ouais, je vais te ranger. Enfin, ranger. Bella ronfle, c'est bien. Hier soir, elle m'a encore refait un coup là de. Hop, je m'incruste. Je te colle, je sais pas pourquoi. Mercredi. Qu'est-ce que tu fais par terre, toi? C'est le bordel. Bon, alors. Là, va falloir que je vous avance par contre. Je commence par quoi? Je sais même pas. Je vais pas commencer par le personnage. Et la licorne, elle est censée avoir des combos ou pas? J'ai commencé un tigre avec des papillons sur Kirby. Ah, celui-là, c'est dans le. Bah, je l'ai, c'est dans le. C'est pas dans le fragile. Le. Bah oui, c'est la couverture. C'est le truc qui est derrière là. Celui-là, là. Encore une question. Tu live quand en général? Le mardi, jeudi et vendredi, 14h à 16h. Normalement. Mais il y a un vendredi sur les semaines. Attends. Les semaines impaires? Le vendredi où je pourrais pas, ça sera le vendredi matin du coup. Ouais, ça va être ça. Je pense. Tarkovet pensait que je l'avais pas encore commencé le HP. Elle s'y met du coup. Dans 2 heures, elle l'a fini, elle est vite. Arrête, non. Non, faudrait attendre. Moi, je fais personnage par personnage. La moquette, elle va me prendre 10 ans. Ouais, parce que oui, t'as beau activer les notifs sur Twitch. Moi, je sais que je leur fais pas confiance, mais alors pas du tout. Les notifs de Twitch, c'est du caca. Ah, c'est ce matin. Je regarde. Bon, merci, papy, pour le sub de Dino. Coucou, Dino. Ce matin, je regarde mon téléphone, je vois une notification Amazon. À minuit 52, le livreur a besoin d'aide. Il n'y avait pas une autre personne, la moquette. J'ai fait à l'aquarelle, vite fait, bien fait. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une autre personne qui se glissait dans notre tri.
quatuor. Coucou Pretty, comment ça va? Oui, à minuit 52, je reçois, j'ai vu, j'ai reçu une notif comme quoi le livreur Amazon avait besoin d'aide. Je fais, il y a un problème. Donc j'espère que c'était le message par rapport au colis de Sœurette qui est arrivé hier. Je peux secouer? Je peux pas. Je vois de finesse. Je sais pas quand je vais les ouvrir du coup. Mardi 22? Non, 21? Le lendemain. Mon anniversaire, c'est lundi. Je live mardi, je les ouvre mardi en live, on est d'accord? Ça va, merci. Ça sent une palette, ça sent la palette. Hein, je les ouvre mardi. Quoique c'est ton petit. Attends. Non. C'est là que j'ai crié ce que c'était. T'as les nerfs. Ouais, mardi. Non, c'est mort, t'attends jeudi. Je bosse le mardi. Non, mais moi je bosse toute la semaine, t'attends samedi. Je live pas samedi. Ouais, mais mardi après-midi pour que je sois là. Ouais, normalement, c'est mardi après-midi. Et il me remet la même chanson deux fois de suite, là, on est d'accord. Non? Oh, on va se calmer. Voilà. Sia, c'est pour Didi, ça. Il t'appelle au secours, le gars, et toi, tu l'ignores. Non, mais à minuit 52, il est gentil, quoi. Non, c'est pas FedEx, Amazon. Non, mais tu demandes pas de l'aide à minuit 52. Ta wishlist est à jour. Ouais. On me l'a demandé plusieurs fois, ça. Mais ouais, à jour. Mais vous allez doucement. Vous-même, vous cliquez pas. C'est peut-être bien aussi. J'ai été faire le repérage ce matin à Intersport. J'avais vu des belles Puma et tout. Pour que Doudou se trompe pas. J'ai fait une présélection. Présélective. Parce que bon, il a du mal, le monsieur. Vu qu'il veut pas m'acheter de trucs de colo, ben voilà. Il avait peur de se faire attaquer par des licornes zombies. Arrête. C'est Cassie qui m'a envoyé un message aussi. Elle me dit, regarde, il y a un truc sur les licornes qui va sortir sur Netflix. Je fais oui, je mets dans ma liste. La doudou. J'oublie de parler à Doudou le midi. Hein. Je vais me faire défoncer. Je vais lui dire, il y a un film avec des licornes. Il y a un animé plutôt. C'est un. Ouais. Ça sort vendredi, je crois. Vu qu'on a saigné Netflix, on ne sait plus quoi regarder avec les ptchos. Pao. Je passe en lurk. Des zoubis, Gamli. Merci pour le lurk. Bon, allez, on va commencer peut-être. Mais ouais, j'y vais être. Je sais pas. Il a le même teint. Kalina. Ok, Kalina. Je peux avoir une image de rêve, s'il te plaît? Nous, on est à fond dans Orange is the New Black. Oh, mais moi, j'avais commencé, mais je sais plus. J'ai peut-être arrêté au début de la saison 2, je crois, ou je sais plus. Je sais plus, faudrait que je regarde sur TV Showtime où j'en suis. Ok, je cherchais. C'est ok, Google? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. À chaque fois, on galère à trouver une image de ref et puis Kalina, pop pop en 2-2, elle te la trouve. Alors, on en profite. C'est pour le Harry Potter. J'ai galéré à en trouver une avec la moquette et tout, là. Mais bon, je suis contente si je suis pas de retard du coup dans le fil violet, c'est bien. Ça va changer. Puis bon, là, ceux qui arrivent, ils sont cool. Franchement, ça va. On a passé les pires. Le Jafar, là. Le Chicken Little aussi. Il était pas ouf. Donc on dit merci, j'ai son noir. Ah oui, elle.
Comment je l'avais appelée au début? Zarina, ouais, je croyais que c'était Zarina. Mais ok, Kalina est là. Heureusement, elle me sauve. Non, c'est cool, là, on a bien avancé. Par contre, c'est pour les personnes qui veulent nous rejoindre, là, vous êtes en galère. Allez, j'ai sonore. J'ai eu plusieurs mois de... Celui-là aussi, je l'ai raté. Là, les nuages, j'ai voulu faire des nuages de fumée, mais... C'est beau, ça, hein? Là, voilà le cafard, là. Non, c'est cool. Ah, ma place. Ça fait du bien de voir des livres quand même avancés. Mais bon, oui, celui-là, je pense que il sera fait. Oh, c'est celui-là, ouais, c'est pas. Mais bah, il faut que je fasse abstraction des tatous, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Non, ça va aller, celui-là. Puis j'ai un peu d'avance. Ouais, j'ai 2 mois d'avance. Waouh. Ah ouais, le mandala, là. Il est où? Celui-là, là. Du gesso noir, ça passe? Parce que, en fait. Ok, je vais voir. Merci. Ils font du gesso juste noir et du blanc? Ou il y a d'autres couleurs en gesso? Petite question questionnante. Parce que ça pourrait être cool du gesso de couleur aussi. Alors, Instagram. Parce que oui, là, pour le mandala, là, ça aurait été bien d'avoir un gesso bleu clair, par exemple. Ou un silo. Je ne trouve plus le color moche. Il était par là, c'est sûr. Là. Ça aurait été bien d'avoir du gesso coloré, quoi. Alors, message. Suivre le lien. Voilà. Oh. Ah, il est iridescent en fait, Hercule. Qu'est-ce qu'il a pris? Ah, mais c'est un dieu. C'est peut-être pour ça. Je l'ai pas regardé, hein. Et puis là, j'ai plus Disney Plus, du coup. Ben... J'arrive à me mettre bien. Je vais vous redescendre. Je fais que ça. Hein. Je vous bouge. Hein. Je vous laisse pas tranquille aujourd'hui. Comme ça. Merci, ma Kalina. On va boire un peu de café. Ma mousse est toute disparue. Mais je l'avais réussi aujourd'hui. Alors, ils sont chelous ces coudes. Eh bien, je vais vous la mettre du coup l'image de ref. Rien à voir, mais j'ai commandé un jean sur Amazon Basique. Eh bien, il taille super bien pour info. Ah ouais? Parce que sachant qu'on est petite, il n'y a pas de souci au niveau des jambes? Parce que bon, bah, moi, dès que j'achète un pantalon, je marche dessus, quoi. Ah, elle est tout petite l'image. Là. Ça vous va comme ça? Justement, ils font des longueurs pour les petites. Non. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Regarde. Faudrait que je regarde parce que moi je galère à chaque fois. Bah, j'ai Chikiabi. Mais là, j'en ai un noir. Je l'ai acheté il y a. Il a pas 1 an le truc. Il est gris. Et il y a plein de lignes dessus. Voilà. Bref, je n'achèterai plus jamais de noir. Vive le bleu. Dégoûté. Dégoûté. Puis s'il faut en plus que je fasse de la teinture maison, ça va aller, quoi. Oh. Je t'en ai envoyé. Hop. Bah alors. Merci pour le follow, appelle-moi Ju. Donc je t'appelle Ju. Merci beaucoup. Ah!
Mais t'as combien de comptes, madame? Dis donc. Alors, on va retourner sur Instagram. Message. Ah. Mais tu m'en as... Je te demande une image de rêve, elle m'en envoie trois. Bah, je prends la dernière, hein, tu te doutes. En plus, arc-en-ciel, bam bam, voilà. Eh, moi ça me plaît ce fond là. Eh. La meuf, elle sait pas parler, elle fait que des onomatopées. Ceux de Kiabi sont en fin de vie là. Si je me baisse trop vite. Multi-compte, ouais. Merci. Merci, ma Kalina. Mais ouais, c'est bon à savoir si Amazon basique, du coup, tu dis. Parce que ouais, non, j'ai. À part mon truc. Quand j'ai froid, je me suis jamais acheté de fringues sur Amazon. Du coup, l'image de ref, on va la modifier. Vous voyez là, c'est quand même mieux. Oh, Cassie! Aïe, aïe, trois visionnages. Non, mais pourquoi je t'enlève? Je ne veux pas t'enlever, je veux va te pousser un petit peu. Merci, Macalina. Mais oui, elle est trop mime, cette image de ref. Alors, on va essayer de faire tout pareil. Hein. Peut-être pas les nuages. Ça fait beaucoup de blanc. Je sais pas. Je vais voir. Ouais, papy, il est fou. On lui dit de pas, et puis bah il y va quand même. Un seul, ça suffit pas pour papy. Il fait toujours grouper. Comment ça va tout le monde? J'ai une notification absolument fantomatique. Bah, c'est ce que je disais, c'est pour ça que j'essaye toujours de faire une petite story. Parce que les notifications Twitch, on sait que c'est du caca. Pourquoi je mets une zone d'ombre ici? C'est une zone de lumière ici, madame. Ah, ça y est, madame est posée. La patronne est là. Je l'ai presque dit. J'ai pas vu non plus la story, donc. Ah bah voilà, ils sont tous ligués contre moi. C'est pour ça que moi, généralement, je lance Twitch, je regarde qui est là. Planquez-vous. Papy, il a fait des subs encore. Alors, il s'est fait gronder, papy. Comme il nous a grondé hier chez lui. Je te jure. Je te jure. Il est pas sage. Il sait pas se tenir, le monsieur. Ce matin, j'ai envoyé les parents à la mer, du coup, solo sur Paris. Waouh. Tu les as envoyés à la mer aujourd'hui? Ils ont pris un caouet? Je suis au coin, je suis punie. Arrête, t'es pas sage. T'es pas sage. Et moi, je colo pas depuis tout à l'heure, là. Ça va être le live où je colo le moins, alors qu'habituellement, je... Hein? Je vais trop vite pour vous, d'habitude. Simple charter. Du coup, celui-là, il va compter pour la... Où c'est que j'ai mis mon bloc? J'ai des carnets partout aussi, ça, c'est le truc. C'est le mal. Celui-là, il va compter pour le... Le 3, Colo Disney Hercule. Sachant qu'il y a 5... Comment on appelle ça? 5 menus. Je fais ce que je veux, t'attends juste, je suis riche. Attends, elle va ouvrir un compte OnlyFans avec ses pieds. Elle va devenir riche. Charter. Kiff. Moi, je vais revendre mes chaussettes sales.
Les beaux pieds. Arrête avec tes pieds, arrête d'envoyer des vidéos de tes pieds aux gens. Surtout avant de dormir. C'est pas possible. Tu fais comme dans Orange is the New Black, tu envoies les culottes. Mais oui, mais il y en a qui le font, hein. C'est grave quand même. Je comprends pas des gens qui achètent ça. Ils se disent pas qu'il y a un problème. Non, j'ai pas de sous pour gagner des sous. Bordel, elle me l'a envoyé aussi, je la déteste. Mais elle me l'a envoyé à moi en premier, c'est pour vous bercer, toi, Didi. Mais non, mais non, mais non. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Non, non, non. Non, non. T'es pas obligé, tu sais, de nous envoyer des. T'es pas obligé. Tu peux te retenir, s'il te plaît. Envoie-nous des photos de tes chats, on préfère. Vous êtes les deux seuls à avoir vu mes pieds en VIP. Ouais, waouh. Waouh! Coucou Marlène! Ça va et toi? Si je partage tout avec vous, mais. Au Japon, il y a des distributeurs de culottes sales. Arrête. Chat, la dame, elle a dit. Pas autre chose. Ouais! Les chats, chat, l'animal avec des poils. D'accord? Le chat, l'animal. Je veux rien d'autre. Orso encore à la limite. Ouais, c'est un peu ça quand j'ai vu la photo. Je fais. Ah! Précise animal parce qu'avec des poils, voilà quoi. Bah ouais. Avec les trois. Tout le monde sait qu'elle a trois poils sur ses orteils. Tout le monde le sait maintenant. Oh, papy, j'ai encore joué à Dreamlight ce matin. Avant d'aller voir ma copine. Ah là là, je te jure, c'est ta faute, papy. J'ai fait des cupcakes. Voilà, j'ai fait des cupcakes ce matin sur Streamlight. Mais toi, t'as un truc en plus, je crois. T'as déjà plus avancé que moi pour l'arrosoir. Moi, l'arrosoir, il n'enlève pas les champignons. J'ai cru comprendre que le tien, il enlevait les champignons. Coucou, c'est pas l'heure. Tu te casses la tête, j'ai reçu. Des acryliques de Wish. Ah bah oui, mais te t'embête pas avec les numéros. Fais pas comme moi. Fais pas comme moi. Tu prends tes crayons, tu fais de 1 jusqu'à ce que t'en aies plus. Mais tu mets pas les noms, tu cherches pas. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, hop. Tu cherches pas. Sinon, tu t'arraches les cheveux. J'ai mis 3 jours pour faire le nuancier. Et j'en ai retrouvé un. Bah c'est mardi, j'en ai retrouvé un. Bah voilà, j'en ai un. Il est tout seul. Hier soir, orage, ici, il m'a démonté le dessous du lavabo. Attends, attends, faut que je remonte. J'avais du bois partout par terre. Après, il est allé chez Méline. Il lui a dégagé un étage complet de son étagère et gratté dessus pour rentrer dedans, dans le mur. Je savais tellement plus quoi faire que je l'ai regardé en silence, tel un fantôme. Oh là là. C'était un enchantement provisoire. Ah, l'arrosoir, c'est fini, c'est le basique. Ah ouais? Parce que moi, j'ai plein de champignons comme ça, où tu vois des petits coffres et tout, machin dedans. Je me suis dit, comment on fait? Mais ils ont pas de numéro. Non, ils ont pas de numéro. Ils ont pas de numéro. Enfin, à la base, ils en ont. Elle est où la boîte? La boîte. Je sais pas si c'est ceux-là que t'as reçu. Ils viennent de chez. Bah, je les ai pris sur Vinted, moi. Ils étaient neufs, mais ils viennent de Chine, je pense. Mais ils sont censés avoir des numéros machin, mais ils sont pas numérotés. Et voilà, puis t'es là, tu cherches. Ah, c'est lequel? Tu sais pas, parce qu'en fait, t'as je sais pas combien de gris, t'as je sais pas combien de verts. Et t'as rien qui correspond. Voilà, t'es là, t'es comme une con. Et bah voilà, je me suis. Bah et du coup, j'ai des couleurs qui s'appellent Red Orange, alors qu'ils sont pas Red Orange, ils sont plus rosés ou. Bref, tant pis. Ça m'a gonflé. Je sais pas, mais faites le boulot jusqu'au bout, les gars. Il a bavé partout au sol, j'ai tout laissé. Dizia que j'ai même pas nettoyé, t'as vu, j'ai fait du level up.
Ah bah c'est celui-là, tu vois. Tu fais comment ton nuancier? Car j'essaie. Bah je prends le nuancier de Panoramimix. Je peux te mettre le lien si tu veux. Et voilà, tu vois, les zbifs, ils s'appellent les zbifs. Et je me suis embêtée, tu vois. Mais à la longue, je sais plus comment ça donne à la fin. Mais bon, là, ils sont tous mélangés, là. Je les ai mis par teinte, normalement. J'ai les jaunes, j'ai les oranges, les rouges. Enfin, voilà. Ils sont par. J'ai quoi? J'ai les zbifs, j'ai les toulis, brush essentiel, les actions. Et j'ai encore une boîte, les With Scent. Du coup, là, ils sont tous ensemble, par couleur. Mais ça va pas le système là. Mais bon, Taz m'enverra des anneaux par la suite. Ah. Donc ça ira mieux. Du coup, tu veux le lien pour. Coucou, hello! Sais plus quoi faire, même les médicaments marchent pas. Qui le. Ah non, tu le gardes. Un petit code barre ou une référence numéro gravée sur ton feutre? Un code barre? Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste écrit Zibif et puis le même numéro partout sur tous. Mais non, il n'y a rien. Ni au cul, ni nulle part. Il n'y a que dalle. Il y a Walou. Et j'en ai même un. Il est tout blanc. Voilà. T'avais qu'à faire comme moi. Les numérotés de 1 à 84 et paf le chien. Elle, elle les appelait les 84. Voilà. Paf le chien. Ils sont chiés à faire un nuancier avec les numéros, ils les mettent pas sur. Bah oui, ils sont cons. J'aime pas ton coup, franchement. Comment tu veux t'en sortir avec un truc pareil? C'est trop gros. Bah oui. Oui, je t'envoie avec les dessins. Mais oui. Il a des beaux pieds, Valkao. Qu'est-ce qui a des beaux pieds? Tu m'as perdu là. Go faire des étiquettes. Tu veux le lien ou pas pour le Panoramimix ou pas? Tu veux ça ou pas pour les faire? Ah, Orso, il a des beaux pieds. Ouais. Il pue des pieds lui aussi. Non, je le veux pas. Non, c'est bon. Ok. Du coup, je vais enlever ça. J'ai encore mes pastels secs de sortie. C'est un bordel sans nom chez moi. Enfin, dans ma tête, tout court. Angels crying. Faut que je refasse le tri dans mes bibliothèques. Que je voie vraiment les livres que je veux garder, les livres que je veux plus garder. Faut que j'arrive à retrouver lesquels sont à ma sœur. Que je revende pas les siens. Et comme ça que ça fasse un peu de place et que je puisse mettre des livres de colo à la place. Parce que là, mais. J'ai plus de place pour le colo. Et les voisins, ils veulent pas que je pète le mur, donc je peux pas. Ils veulent pas que j'agrandisse. Pire que moi. Je laisse mon lurk. Bon live, les bisous, tout le monde. Bisous, papy. Et bon live si tu vas en live. Je raiderai sûrement chez toi. Vengeance. Étiquette sur les feutres. Ok. Ouais, moi j'ai mis. Tu sais, j'achète les petites étiquettes là chez Action. Non. Ça me fait rire à chaque fois que je le vois ce truc. Oh punaise, l'arnaque. Ouais, je prends les étiquettes comme ça d'Action, je les coupe, enfin je numérote, je coupe, hop, je colle, je remets un bout de scotch pour pas que, pour que ça tienne bien. T'as levé la punition, mais non. Tu leur pètes la gueule à tes voisins, ensuite tu pètes le mur. En plus, ceux-là de voisins, je les vois quasiment jamais. Je remettrai après, n'importe quoi. Après, tu peux peut-être faire les deux en même temps, une petite dynamite. Arrête. Coucou Miss Framboisette, comment ça va aujourd'hui? Puisque tu feras pas de bêtises. Ouais, il va être sage. Ouais, mon tampon là. Non, mais l'arnaque, sérieux. C'est vraiment. Ouais, juste pour une page de bullet. Et encore, franchement, je pense que je vais préférer utiliser le tien. Je peux même plus faire mon prout. Ah ouais? Comment ça? Les JO du colo, c'est Kiran qui a lancé ça. C'est du 15 mai au 19 juin. Alors, il y a 5 colos à faire. Un colo sur le. Oui, il y a celui-là sinon. Non, mais t'es pas obligé de faire une annonce pour ça. Voilà. Il livre chez toi le dimanche? Ouais.
Comment ça? Je suis pas là dimanche. Je suis pas là dimanche, Didi. Je suis pas là. Le mai, ouais. Quoi que tu vis le clavier numérique, madame. Ça passe dans la boîte aux lettres, je pense. Ouais. Putain. Didi. Je t'avais dit de pas cliquer. Eh ben, je l'épingle, lol. T'avais qu'à fermer ta... Bah oui, mais tu l'épingles, mais t'as pas mis la date. Un prout comme ça, tu dégommes le fond de ta culotte. Mais oui, il manque quelque chose, Taz. C'est pas moi, c'est Amazon. J'ai mis un mot en plus. Ah, mais moi, je dispute pas pour les mots. Mais bon, c'est quand même bien de savoir qui c'est. T'as mis un mot, Sorette? Mais ça suffit. Vous laisse le choix, comme ça. Du coup, je disais les JO du colo. Le premier colo sur le thème urbain Paris, il faut qu'on voie que c'est Paris, en fait. Ici, c'est Paris. Attends, il est où mon... Europa, par exemple. Il y a des pages spécialement Paris là-dedans. Mon. Ah, là. Là, on voit la tour Eiffel. Donc, ça passe. Oubliez pas le mot, mais... Oui, le mot, oui. Celle-ci, ça passe. Il n'y a pas oui. Bref, le genre de truc. Puis, de toute façon, c'est écrit même. Paris. Mais voilà. Colo sur le thème urbain Paris. Pour le premier. Le deuxième, un colo dans le sport. Ça, on a dit... Il y en a plein dans le 4 saisons, mais c'est... Donc, évitez le 4 saisons. Mais... Alors, il est où? C'est dans le boule de poil, il y en a... Non, c'est pas dans le boule de poil. Non, c'est pas dans le boule de poil. Il y en a dans le boule de poil aussi, je crois. Attends. C'est ça. Le 4 saisons, il est... Là, ça peut marcher pour la course, celui-là. Il y a lequel? Le vélo. Enfin, quand ça a un rapport avec le sport, quoi. Il y a celui-là, puis c'était dans le nounours thérapie. Je sais même pas ce que j'en ai fait dans le nounours thérapie. Mais ben oui, il est où? Ah, il est là. Dans le nounours thérapie, il y en a plein normalement. Que c'était fini depuis. Enfin, je revis. Celui-là, il va marcher pour le dernier. Celui-là, regardez, ça marche pour le sport. Il y a le kayak dans le boule de poil, il me semble. J'ai choisi un colo dans le 4 saisons. L'équitation, ça passe. Ça va plaire à Cassis. Hein. On dirait une licorne. Ah bah vous voyez pas du coup. Regardez, il y a une corne là. Celui-là. Si. Les kayaks, bateaux, tout ça là. Je remets la musique. Elle est mignonne, hein, celle-ci. Trop bien, hein? Ouais. Mais bon, bref, il y en a plein dans le... Voilà. Dans le... Celui-là. Dans le boule de poil. Et puis, vous avez même des Disney, du coup. Quand elles font du ski, les trucs comme ça passe. Après. Merci. En 3, nous avons le colo Disney Hercule. Donc, n'importe quel colo d'Hercule, ça fonctionne. Du coup, c'est sur quoi je suis aujourd'hui. Mais pourquoi j'en ai deux? En rapport avec le sport, j'ai mal noté, Cassie, au secours. Le 2, c'est bien un colo dans le sport. Et le 4, c'est un rapport avec les JO animal sportif. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qui se passe?
Solaris, ça n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai deux sons en même temps dans l'oreillette? Il y a un problème, arrêtez les gens. Ah, c'est Taz. Voilà, c'est parce que s'il y a Taz, du coup, il y a du son avec. Je me dis mercredi. Je suis pas habituée. Hein. Il faut que tu prennes un animal qui pourrait représenter un sport. Le premier, c'est directement le sport. What? Pour le deuxième, ça serait donc une grenouille qui saute pour le saut à la perche. Tu m'as perdu là, Cassie. Ça devait être clair quand j'ai regardé le live. Ah oui, c'est vrai. Signes, par exemple, il y a les signes dans le Kirby. Ça marche pour la danse. Les signes Black Swan, tu vois. Voilà. On avait dit quoi aussi, je sais plus. En fait, tu as l'un ou une personne ou un animal fait un sport comme tes nounours qui font du tennis. Ouais. Oui, j'ai mis mon pseudo, ça a mis Youssef. Oui, t'as vu ce que j'ai réussi à faire? Je suis une ingénieure informaticienne. Waouh. Et le dernier colo à faire, c'est sur C'est la fête. Donc là, il faut voir que c'est la fiesta, les feux d'artifice, la fête, les petits pompons, les petits machins. Voilà. Et ça passe. Et le deuxième, c'est un animal qui, lui, représenterait un sport qu'il pourrait faire, le guépard qui court plus vite pour la course. Ouais, d'accord. Ok. Il faudrait que tu me réexpliques. Je te redemanderai sûrement des infos comme ça quand j'en serai à cette catégorie-là. D'accord? Merci, Cassie. Ouais, t'arrêtes, sinon je vais te demander des tips. Je sais plus quand j'ai fait ça, mais ça fait un moment. Ouais, c'est. Voilà. C'était un peu compliqué, oui. C'est moi qui sais pas expliquer, surtout. Stay your boyfriend. Hop, on va faire des petites ondes. Oui, on est bien. Il n'y a pas de petits pieds? Non, il n'y a pas de petits pieds. Il n'y a pas de petits bidous non plus. Je dois vous laisser. On a rendez-vous pour la maison. Et bah, la bise! Bonjour à Monsieur Thomas. Ah, au fait, j'ai pensé à lui l'autre jour à la radio. C'était le classement des prénoms des personnes qui trompaient le plus. Thomas était dans la liste. Donc voilà, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi et à Julie. Parce que voilà, il aime bien te tromper avec Julie. Pareil. Ça m'a fait trop rire quand j'ai entendu ça. Big up Thomas. Voilà. T'as un prénom d'homme infidèle. Sache-le. Pour les femmes, il y avait Véronique, je crois. Donc c'est bon. Catherine. Hein, et je sais plus quoi. Bref, j'étais pas dedans. J'étais contente. Mais c'est con, ces classements. Ma chambre, Didi, Violette Purple. Pour les femmes, il y avait que des prénoms de vieilles, ma parole. Non, je sais plus. Je sais même plus si Julie était pas dedans aussi. Bref, je sais même plus sur quelle radio j'avais écouté ça. Mais bon, c'est comme les horoscopes, hein. Ah. Lol. Ah. À toi aussi, Véronique, t'en connais une qui est pas très fidèle. Véronique. Ah, désolé. Thomas, fais gaffe. Ça va chier. 10,92. Il est sorti sur. Non. Pose like this. Son coude est bizarre à Hercule, là, quand même. Attends. Lequel? Là, il est bizarre, son coude. Le truc, il devrait être plus loin. Et là, ça devrait être plus bas. Si c'est le coup de coude. Mais non, c'est parce qu'il est très potelé. Bah ouais. Il mange bien la cantine. Celui avec le téton dessus. Bah ils ont les deux les tétons. Ils ont des tétons tous les deux.
Il t'étonne. Ok, passons. Demain, je verrai. Si je suis en forme, peut-être que je ferai matin et après-midi le stream. Je sais pas. Parce que là, je vais pas être bien parce que j'aurai pas beaucoup colo. Je vais culpabilisationner. Wow. Il a fait mal quand il est sorti de ma bouche. C'est le style de dessin qui a été utilisé pour les dieux grecs par Disney. Ça t'étonne, ouais. Je vois des trucs bizarres depuis ce matin. Arrête de regarder tes pieds. Tout ira mieux. J'ai pas lu hier. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai pas lu. Mais bon, ce soir, il y a les bains. Je voulais faire tomates et courgettes farcies, mais à mon avis, ça sera plus brochettes, saucisses. Je pense. Je ferai demain. Courgettes, tomates, farcies. De toute façon, ils vont pas manger, alors ils vont tirer la tronche. Des légumes. Limite. Oh, tu nous empoisonnes, maman. Ils sont rangés, mes pieds. Mais t'y penses encore. Je suis sûre que t'as encore l'image. Moi, je l'ai toujours là. Là, je ferme les yeux, j'ai cette image-là. Qui me hante. Je vois les trois petits poils qui. Avec le ventilo, tu vois. Non, je pense à toi. Ouais. Pitié, pas sur une musique latine. On parlait de pieds comme ça. Mais c'est fait pour. C'est latino, sexy, c'est le soleil, c'est les tongs. Punaise. Je les avais arrachés avant la photo. Ah ben moi je les voyais quand même. Son nez, il est chelou aussi, non? Qui a un nez comme ça? Le pauvre. Je fais comment, moi, pour ombrer ça? Demain, je vais à l'hôpital, donc je ne serai pas là le matin. Oui? Tu te lèves demain, du coup? Copine de cœur hospitalier. Il a le nez qui se rebiffe. Moi, c'était ce matin. Et ça s'est bien passé? Ouais, 6 h du matin. Ouah, ça va piquer, hein. Mais faudra que tu arrives à enlever le badge fondateur, toi aussi. J'ai expliqué l'autre jour sur le live de TAS comment on faisait. Donc, demandez-lui. Elle a noté normalement. Ce serait quand même mieux que tu aies. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs? Parce que là, t'es à combien de mois? 11 mois. Ah oui, toi, t'as la tête de petit chat qui est bien remplie normalement. Faudrait que je regarde si je peux en rajouter là, parce que ça fait combien de temps que j'ai la chaîne là maintenant? Je sais pas si je peux rajouter. Ou s'il faut que j'attende. Non, je crois que c'est au mois d'août que je pourrais rajouter. Je crois qu'on avait regardé ta zounette. Let's get physical. Twitch, ma chaîne, paramètres sécurité, confidentialité, cacher le badge fondateur. Ouais. C'est quand même plus joli que le first, là. Enfin, moi, je trouve. Tchou-tchou. Tu veux pas m'enlever cette épingle, là? Vilaine. Non, tu veux.
Ouais, mon adif, ça tombe tout le temps, soit un dimanche, soit un lundi. Et c'est le lundi de Pentecôte. Je mets là le. Ouais, il est trop chelou son lit. Let's get physical. Du coup, vous vous rendez compte, j'ai trois colos en cours. Ça m'était pas arrivé depuis. Oh, non, j'enlève rien. Ok. Résultat du dos égale discopathie I3, I4, I4, I5, I5, S1. Sténose, sphérome. Hein? Moi, je pas comprendre. Moi, pas docteur. En version. Version noob, ça donne quoi? Et sacro-iliaque pourrite plus que à droite que à gauche. Conclusion, je suis usée. Ouais. Et il y a quelque chose à faire ou c'est incurable? Ils veulent que tu fasses de la piscine, ils veulent que tu fasses quoi? Spondylarthrite, tasse. T'as vu, celui-là, je l'ai bien dit. Physique. Physique. Waouh. Quel talent. C'est coton-tige. Hein? Comment ça, c'est coton-tige? Je vais passer à la biothérapie, c'est tout. Biothérapie, et qu'est-ce que tu vas faire? Biothérapie, tu vas manger des légumes bio? T'as demandé si c'était incurable, j'ai répondu c'est coton-tige. Oh là là, mon Dieu. Mais. Vous arrêtez maintenant. Merci Juliette pour petite bulle. Je vais bien, tout va bien. Je suis sous biothérapie depuis plus de 3 ans pour spondylarthrite. Moi, j'arrête pas tant. J'ai pas subcrotte. C'est pour ton. HB. Attends. HB. Happy birthday. C'est ça? Je suis plus à la page. Hein. Merci Juliette. Ah oui, merci Cassie. Il y a 5 000 temps, mais. Ça se passe. Ouais. Je vais vous laisser parler entre vous parce que là, j'ai rien compris. Je comprends rien, puis en plus je vois flou. C'est bon. Puis la musique, pouh. De tout mon cœur. Mais c'est quoi la biothérapie du coup? Je sais pas si ça se trouve, elle a répondu. Anti-TNF, ton ami Google. Ah ouais. Change la musique, je vais pleurer aussi sans savoir pourquoi encore. Attends. Attention, qu'est-ce qu'il nous choisit? Bon, c'est pas mieux. Ah. Bah, elle parle de docteur. C'est une nouvelle sorte de traitement. Ah, ok. La chuche. Non, je l'ai enlevée, la chuche. Genre, ça y est, je suis arrivée à saturation de la chuche. Mais. Ils auraient dû l'envoyer à l'Eurovision, la chuche. Je pense. Ça cible mieux. Si je crache, c'est de la faute de Taz. Non, c'est bon. Oh, avec leurs cookies là. Non, je veux pas de cookies si c'est pas un cookie aux pépites.
Ouais, déjà le début, quand tu lis produit par des bactéries ou des cellules animales génétiquement transformées pour produire ces substances, tu te dis, ah, ouais. Et ça marche? Ok. Ça se fait juste à l'hôpital, apparemment. J'en ai pas, mais c'est complètement différent. Moi, je suis à la cinquième. Les autres n'ont pas fonctionné. Et la dernière, un peu d'effet sur les douleurs, mais pas trop. Je vais devenir violette, Val. T'es sérieuse? Tu vas devenir une licorne? Moi, je suis sous anti-TNF pour le Crohn. Tu vas devenir une licorne violette? Oh. Tu vas faire caca violet aussi? Non, je me fais des ingé... Oh là là. Oui, avec des paillettes. Arrête. Le rêve. Mais imagine, on pourrait être. Oh, je voudrais ouais être avoir un dégradé, être violette de la tête, hein, de la tête et ça descendrait jusqu'au rose au pied. Ça pourrait être pas mal. Peut-être je t'enverrai la photo, Val, t'inquiète pas. Ouais, je m'inquiète pas. Parce que je sais que t'aimes partager ça. Voilà. Merci. Les yeux violets, arrête, ça serait trop bien. Oh. Avec des étoiles pailletées à l'intérieur. Oh, putain. On pourrait juste faire un style dès le départ, laisse tomber, hein. Oh. Arrête, les yeux violets, punaise. Oh. T'en fais un violet rose et puis un bleu turquoise. Oh. Moi, je voudrais un dégradé du jaune au vert, du jaune vert vers le bleu. On serait trop beau. En général, on garde la tête un peu plus claire et le reste du corps un peu plus foncé. Bah non. Donc ça serait plutôt du rose en haut. Non, j'ai dit non. Moi, je veux le violet en haut. Voilà. Comme les Cro-Magnons, les mignons Cro-Magnons. Tout violet. Mais oui, pourquoi ils les ont fait jaunes? Ils ont fait les monstres, enfin les quand ils sont en version monstre, en violet. D'ailleurs, ils sont chez moi ou ils sont chez Taz? Mais normalement, on l'a, ceux-là. Ils sont chez Taz. Attends, elle est où, Taz? Elle est là. Ah! Mais je veux pas les mêmes cheveux, par contre. Avec une odeur de lavande. Ça serait répulsif au chat, ça, non? Il y a peut-être moyen que Bella me laisse tranquille comme ça. Il va être chelou son pif, mais bon, c'est pas nouveau. Faudrait que. Je voudrais lui faire une fossette. Ah non, pas la vente, Taz. Je pourrais plus te sentir. J'aime trop. Regaïoul. T'as vu, j'ai beaucoup avancé, hein. J'ai. Waouh! Je colle beaucoup trop vite aujourd'hui. Je suis pas du tout perturbée. Je pense que c'est le live où j'ai colo le moins. Je colo le moins. Je sais pas à quelle heure il est, mais. Ouais.
Tu es dans le détail, voilà tout. Ouais, bien sûr. Je suis une fille très détaillée. Détaillante. J'aimerais bien lui rajouter des petites joujoux. Qu'est-ce qu'on a après celui-là? Normalement, on a encore trois crayons. Waouh! For the next one. 927. Ah ouais, non, c'est le basique celui-là. Mais moi, j'aimerais bien mettre un petit peu de rosace C sur ses joues. On a beaucoup de thérapeutés, Gaïoul. C'est pour ça la dame a pas colorié. Ouais. C'est de votre faute, de toute façon. Je sais pas quand c'est que j'ai fait ce trait, mais il est là. Allez, on va faire un petit joujou rose. Bah, je ferai pas des joues roux, rose rouge à la Vince Colo, hein. Non. Je suis désolée. J'y arrive pas. Faut que ça reste subtil, subtile. Sinon, moi, transpirer. Regarde ses coudes, air cool. Air cool. Oh. Air cool. Mais oui, il a des titis, il a des tétés là. Tétés. Il a des tétés, mais pas au bon endroit. Tu vois comme moi, il t'étonne. Il est sexité. La sexitation du nouveau-né, tu connaissais pas? Some advice for the next one. J'ai rien vu. C'est pas possible aujourd'hui. Il est passé par la biothérapie, lui, c'est sûr. Juste parce que tu les as. C'est vrai. Oui, mais moi j'aime bien tripoter. Je tripote les bouquins, moi, déjà. On m'avait jamais vu à Cultura. Je les tripote et je les sniffe. Ah ben faut avant hein, d'acheter hein. Parce qu'après on est déçu des fois hein, hein. Quand tu reçois des trucs par Amazon ou quoi, bah t'es déçu hein. Tu reçois les trucs Oui, merci Gaïoul. Faut garder des souvenirs, ouais. La vie. On a dit 927, mais celui-là, je sais pas où il est ce crayon. Une rallonge quelque part. Aïe. Oui, c'est celui-là. Je sais pas si j'ai le filtre. Dites-moi si ça fait mal aux oreilles ou pas. Coucou la menthe. Comment ça va? Nonine, ça va depuis hier soir? T'as bien fait le bon dodo? Mmh.
Ça va bien. Le soleil arrive, dis donc. Les gosses ont crevé de chaud. MP Insta requiert une réponse. Attention, attention. Je vais voir. Je sais pas, madame. Comment ça se fait que vous me demandez ça, madame? Attends. Il y a des trucs sur mon clavier, je sais pas où c'est. C'est bien d'avoir un beau clavier, mais c'est voilà. C'est un QWERTY. Je crois que j'ai rien oublié. Ah non, si, j'ai oublié. Vilaine. Vilaine. Bah oui, je sais que tu auras ailleurs, de toute façon. Mais oui, mon clavier, c'est l'Astérix. Je sais pas où il est, l'Astérix. J'ai essayé plusieurs trucs. Déjà, là, il y a des sigles, ils sont pas sur les bonnes touches. J'ai déjà changé les touches Q, je sais pas quoi, parce qu'il est en QWERTY à la base. Enfin, c'était QWERTY à la base, mais bon, moi, je veux pas QWERTY. Ah. Il est beau, hein, mais. Mais je pense que je vais finir par me prendre un pavé numérique quand même. En haut sur 8. Attends. Oui, non, mais oui, tu le vois là. Mais quand tu le fais, comment ça le fait le 8? Tu sais que le 8, c'est la barre de ton TAS color. C'est la barre du 8. Et quand je fais avec ça, ça me fait ça sur le 8. Donc non, faut pas se fier à l'image. Ça, c'est sur les claviers QWERTY, c'est comme ça. Mais parce que vous, sur votre. Oui, votre Astérix, il est sur quelle touche? Je crois qu'il est sur une touche sur le côté, si je me souviens bien. Parce que moi, le clavier, je l'ai en tête, vu que je saisis à l'aveugle depuis très longtemps. CTRL8, tu penses? Non, ça fait rien. Ça fait rien. Non, non, parce qu'il faut vraiment pas se fier au. Parce que par exemple, mon point, il est là. Non, c'est le point d'interrogation, il est là. Alors que là, on le voit là, normalement. Il est là, le mien. Oui, non, mais où? Putain, mais. C'est à côté de la touche entrée. Ouais, mais moi, j'ai pas les. Quel côté? Parce que là, j'ai le U, le pourcent. Là, j'ai le livre sterling, le dollar. Si je fais ça, ça me fait ça. Je sais même pas ce que c'est que ce sigle. Comment ça s'appelle? Au-dessus de la touche entrée. Ça, là. Ah oui, il est là! Ah, bah oui. Est-ce que je pousse le vis et je le mets. Ah, mais non, Posca, ça va pas tenir. Celui-là, je pense pas que ça tienne. Permanent, ouais, mais à base d'eau. Ah, j'ai pas des autocollants, la meuf. Parce que je vais l'avoir oublié. Hein. Là, j'ai une mémoire de 2 secondes là, en ce moment. C'est dans mon bullet. Je dois avoir des. Non, j'ai des petits cœurs. J'ai des chiffres. J'ai des chiffres. Des chiffres, des chiffres. J'ai pas un astérisme. Non, non j'ai des mois, des machins. Je vais pas avoir d'astérisme. 2019, bah c'est un peu passé hein, maintenant. Non. J'ai des livres. J'ai pas d'astérisme. Je l'ai cherché avant de donner une réponse. Sinon, mais un obélisque.
Mais le... Non, mais n'empêche, le sigle que je vous ai mis là, ça s'appelle comment? Mais ouais, il va falloir que je me fasse un petit signe pour me souvenir qu'il est plus sur une grosse touche. Ou le multipied du pavé numérique. Le multiplier. Bah pareil, je dois pas l'avoir. Et du coup, quand je fais ça et ça. Ah, c'est quoi ça aussi? Ça s'appelle quoi ça? Bah je sais pas si ça porte un nom. Ça doit bien porter un nom. Ouais, celui-là, là, il est chelou. Non, celui-là, ça fait rien. Ah oui, c'est le trémol machin là. Ouais, c'est ça. Mais non, je ne connais pas par cœur. Avant, je connaissais bien. Puis bon, flemme d'aller sortir mon vieux, vieux clavier pour voir où c'était. Mais c'est vrai que l'Astérix, je m'en sers quand même. Quand j'écris une connerie et que je veux rectifier. C'est un clavier Wish, ouais. Temu. Plus Temu, je crois que je l'ai eu moins cher sur Temu. Puis Wish, c'est fermé. Mais oui, c'est Temu. Il faut que je me prenne le clavier numérique parce que c'est chiant. Dancing on my own, dancing on my own. Oui. D'ailleurs, t'arrives là. À fond les ballons. T'avais qu'à t'acheter un clavier non chinois. Oui, mais non, mais il est trop beau. Voilà, la souris aussi est trop belle. Vous voyez, c'est comme ça que je veux être violette sur la tête et rose sur le bas. Ça s'appelle... Mais ça suffit, les filles, là! Non, mais... Où la voisine du dessous est rentrée et a eu peur. elle a vu le bazar arriver. Elle s'est dit non. Oh. On va pas tenter l'altercation. Je vais me rentrer sagement. Alors, je suis pas sûre que ce soit un cadeau d'avoir. Non. Juliette, t'aimes le jaune? Savoir, hein? Dancing on my own. Non, j'aurais dû lui demander. J'aurais dû lui demander. Quelle est ta couleur préférée? Comme avec Gayoul et les noix de coco, mais arrêtez. Oh là là. Jaune ou bleu, ça dépend de son humeur. Ouais. Je te jure. Des cocos? Ouais, bah oui, trop juste pour toi. Attends. Je vais pas répondre à cette question. Piège. La mobylette de Gayoul, arrête. Nom de Dieu. Aïe. Il passe trop vite ce crayon, il est déjà tout petit. Puis ouais, du coup, je suis dans galère là pour le prochain. Je vais aller acheter des chevilles à Leroy Merlin. Je vais plutôt les piquer, les mettre dans ma manche. Il m'en reste peut-être.
Non, j'en avais pas eu assez pour la commode de Liam. Par contre, j'ai eu je sais pas combien de trucs, les tiges en fer là, pour les tiroirs, j'en ai je sais pas combien en rab, j'ai pas compris le. Val, semaine pro, c'est quoi ton planning stream, s'il te plaît? De la semaine prochaine, c'est une semaine impair? Je regarde mon planning je sais pas combien de fois et je le comprends toujours pas. Mon cerveau ne veut pas. Donc c'est à partir du 22 mai, ça, la semaine impair. Donc j'y suis vendredi après-midi. De 14 à 17 h, donc ça sera vendredi matin, la semaine prochaine. Faudrait que je te l'envoie. Je vais faire. Ah, je vais commencer l'activité physique adaptée. J'ai encore art thérapie la semaine prochaine. Mercredi. J'en ai eu hier. On a fait quoi? On a fait du sensoriel. Et on a fait de l'art avec de l'argile. Voilà. Donc j'ai dessiné. J'ai dessiné avec de l'argile. J'ai fait un koala avec des pousses de bambou. Et un panda. Mais voilà. Tu me fais à combien de pattes, arrête. La semaine passée, on avait fait. C'était sur le prénom. Et on avait des pastels secs. C'est quoi qu'elle nous avait sorti aussi? Bah, il y avait des feutres acryliques là de chez Action. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec? Oui, on a écrit notre prénom, puis après fallait qu'on fasse ce qu'on voulait. Du coup, j'ai fait la mer, des oiseaux, le soleil, enfin bref, je suis retournée en classe de primaire. T'as écrit Taz? Ah non, ça serait pas passé. C'est mon prénom qu'il fallait que j'écrive. Voilà. Mais il y a un moment, je savais plus trop comment il s'écrivait. Je récupérerai mes œuvres d'art quand j'aurai fini mon parcours. Donc voilà, je vous les montrerai. Voilà. Donc je sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais voilà. Là, c'était l'argile et tout. Et c'est pas sèche. Enfin, ouais, sèche, ça va. Dès que tu mouilles, ah, c'est gluant. On en avait partout, c'était magnifique. Puis elle nous a fait le coup de mettre plein de trucs sous un drap. Et il fallait qu'on tripote et qu'on essaye de trouver ce qu'il y avait. Enfin bref, c'était. Je suis sûre qu'il y en a, ils aiment pas ces trucs-là. Elle ouvrirait une galerie économisée, bien sûr. Acheter mes croûtes. Arrête. Puis encore, on est peut-être deux à. Il y en a une, elle fait de la pyrogravure pendant ses loisirs, et puis moi je fais du colo, donc on est peut-être les deux à faire des trucs à peu près où tu vois ce que c'est quoi. J'étais cachée sous le drap. C'est toi qui faisais pouet-pouet alors. Ça y est. Demain. Quoi demain? Ah demain, je suis là demain après-midi. Plus ça va, plus tes propos sont chelous. Ouais, mouillé, c'est gluant sous le drap. Tripoter des choses gluantes, humides. Lol, c'est bizarre cette conversation. Ouais. Merci Kiniki. À très bientôt. Passe une bonne fin de journée. À tout bientôt. Le livreur arrive demain. Comment ça? Bon, Kalina. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'adresse, je ne suis pas là. T'as senti? Ah. Imagine! Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Ah oh, non! Non. Qu'est-ce que j'ai tripoté sous le drap? Pensez-vous? Tu sors, c'est pas l'heure. Oh, putain. Non, sous le drap, il y avait quoi? Il y avait des doudous, il y avait du papier bulle, il y avait des. Non, c'est pas des maracas. L'autre truc espagnol, là. Des. Ah, mais j'ai galéré déjà hier pour trouver le mot, et là, je le retrouve pas. C'est.
C'est pas des maracas. C'est pas des claquettes. Des quoi? Des castagnettes, oui! Des castagnettes. Comment on écrit de travers de nouveau? Tuto express, je note. Comment tu veux écrire de travers? Comment tu veux écrire de travers? Ah, tu veux mettre le slash mi. C'est ça? Tu fais slash mi, espace, ton message. Sur le chat, oui, tu fais slash mi, me. Et après, t'es espace et t'écris. C'est quoi ce stream? Non, il y avait des petits doudous, il y avait. Bah, moi, j'ai trouvé. Après, on devait choisir un objet et voilà, le montrer aux autres. Et moi, tout de suite, j'ai senti un truc avec une corne. Il y avait une licorne! Forcément, j'ai pris la licorne! Il y en a une, elle a essayé de la prendre. Touche pas ça à moi. C'est à moi. Je la garde. T'as trouvé la surprise sous le capot. Ça marche, bah oui. Bah oui, ça marche. Bref, il y avait plein de petits trucs comme ça en dessous. Puis on devait en choisir un et dire pourquoi on l'avait choisi. Voilà. Ah, baston art thérapie. Ouais, c'est ça. Il y avait des dinosaures. Tu sais, les dinosaures en jouaient. Ils ont pris quoi, les autres? Oh, la mémoire, c'est des trucs de fou. Hein. Ils étaient dément tous détendus. Ouais. Après, on a fait une séance de sophro. C'était waouh. C'est la semaine prochaine que je commence. Non, la semaine d'après. Ouais. On a des séances de lunettes, la luminothérapie, des baignoires sèches. C'est comme ça qu'ils appellent ça. J'aimerais bien venir avec toi, moi, là-bas. Sophrologie. Bah là, on a travaillé sur la respiration, le fait de sentir, de savoir respirer, parce que je ne sais pas respirer, sachez-vous. Je pensais savoir respirer, mais non, je ne sais pas respirer parce qu'il faut savoir respirer. Trois endroits différents, en fait. Faut que quand tu respires, ça bouge en haut, ça bouge en ventre et ça bouge dans le dos. Moi, ça bouge que là, en fait. Et c'est pas bon. Sachons, oui. Sachons, ça chier. J'ai arrêté la sophro, moi. Ça détend beaucoup des personnes. Bah, j'attends de voir pour l'instant, parce que pour l'instant, j'ai du mal. Ne serait-ce que de respirer, parce que je vois que les autres, ils font des grandes inspirations. Moi, j'y arrive pas. Cassie, tu sors. Mon psychiatre, il m'a fait coup trois fois ça en séance à 50 € la séance. Je veux parler, moi, pas respirer. Arrête. Bah, j'étais, moi, je suis crispée, je sais pas me détendre, alors c'était compliqué. J'avais fait des séances en solo, c'est mieux. Ouais, voilà, nous c'est en groupe en plus, groupe de 10. Je sais pas, je pense pas que je vais avoir de la sophro toute seule. Non, non, je pense pas. Non, non, tout seul, ça en individuel, c'est les lunettes. C'est le coup de la castagnette encore. Les lunettes, la luminothérapie, la baignoire sèche là, en toute seule, et l'activité physique adaptée. Et de l'art thérapie aussi toute seule. Moi, je vais emmener mes livres. J'ai essayé, mais j'arrive pas à me détendre. Trop dans le mental. Ouais. Ah, faut arriver à. Ouais, moi j'ai du mal. Hein. C'est pas trop zen. Et sur le contrôle, ça. Ouais. Je sais pas.
Ouais, mais c'est pareil, c'est pour ça, j'attends de voir. Parce qu'elle est là, faut baisser les épaules et tout. Ouais, mais moi, je sais pas me détendre, en fait, du niveau cervical, tout ça, je sais pas faire, donc... En groupe, c'est chaud de se laisser... Ouais. Je suis pareil, toujours tendue. J'arrive pas du tout à prendre ça au sérieux, c'est obligé. Je pars à rire toute seule. Mobilette, arrête. T'as compris ta question, Taz. Entre les phrases de Gaël et c'est pas l'heure, Cassie. Moi, j'attends de voir si la baignoire sèche. Je sais même pas combien de temps ça dure. Mais me faire masser comme ça, je sais pas si je vais kiffer. Il y en a, elles doivent dormir. Camoulox. Donc ouais, à voir ce que ça donne, si j'arrive à lâcher prise. Pour me reconnecter avec mon moi intérieur. Baignoire sèche, ouais. Bah en fait, t'as un lit, c'est comme un lit une personne. C'est une baignoire, enfin un grand. C'est un matelas à eau, en fait. Et t'as des jets d'eau en dessous qui viennent te... Voilà, te masser. Et tu choisis les zones où tu veux qu'elle te masse. J'ai un trouble anxio... Une phobie sociale. Si tu me mets en thérapie de groupe, jamais je me détendrai. Les toits... Moi, je la nettoierai avant. Je peux pas me coucher là-dessus. Non, mais on est tous, on vient tous avec une serviette et... Enfin, j'ai pas encore fait, mais c'est comme ça que ça se passe normalement. Par des exos de respiration et de lâcher prise, ça détend normalement. Perso, je préfère la réflexologie. Ouais, la sophro, il y a plein de trucs qui... Bah, c'est plein de... Voilà, qui ont été regroupés et qui font que c'est de la sophrologie. Mais ça a piqué plein d'idées un peu partout sur le bien-être. Ouais, bah c'est ça. Bon, je suis pas très réceptive à ça. Tu vois déjà la nana qui vient faire de la sophrologie. Tu vois le genre tout bab, quoi. Bien dans ses baskets, très nature, peinture, tout ça. Ça se voit sur elle qu'elle fait de la sophrologie. Ça, c'est touché, non réflexo. J'arrive pas, je peux pas me laisser toucher. Ah, mais non, mais moi, elle touche pas, hein. Toujours mon kiné est sur le qui-vive. Quand il me masse, je peux me mordre. Ah, moi, j'aime pas les massages. Le kiné, il n'arrivait pas à me... Ah, ouais. Ah, moi, je peux pas. Le psychiatre, la dernière fois, il a voulu prendre mon pouls, mais il ne m'a pas demandé avant de me toucher. Il a failli s'en prendre. Le psychiatre, il m'a jamais touché, non. Non, franchement, là, ça va, ça devrait bien se passer. Le groupe, on s'entend plutôt pas mal. Ça va. J'attends de voir, moi, c'est le sport appliqué. Enfin, le sport adapté. Ouais, c'est ça, adapté. J'attends de voir ce qu'on va faire en groupe. Mais tu sais, Val, ça peut marcher si tu fais sérieusement, je pense. Ah ouais, bah oui, mais il faut que j'arrive à me mettre dans le truc, hein. Cassie, t'as cassé le truc, là. Putain, 4 heures déjà. Ah non, pas mes pieds avec mes 3 poils, non. Là, c'est pire, coup de savate. Paf le chien. Si j'ai rien fait aujourd'hui. La réflexion. Oh non, on se fera comme tripote les pieds. Oh l'angoisse. Ah non, ça je pourrais pas. Bah déjà le pauvre. Dans mon monde. Après la chanson, d'accord? Le jour. Le tour. La ma peau s'attire. Ouais. Est-ce qu'on m'entendra demain? Je viens de finir une page. Ouh, GG Marlène!
C'est bien. La moitié de fée. Mais en fait, mes pieds, ça va du moment qu'il n'y a rien dessus, dessous. Voilà. S'ils sont tout seuls, tranquille, ça va. Tu leur mets des chaussettes, tu leur mets des chaussures, c'est mort. Comme je suis. J'ai des difficultés à être touchée par les professionnels de santé quand ce sont. Ouais. Oh, moi, j'ai du mal qu'on me touche tout court. Mais il y a si peu de femmes qui pratiquent que j'ai pas trop le choix. Mon corps sexy et VIP, point, c'est tout. Ils ont signé, c'est pour en chier, c'est leur boulot, ils ont choisi. Ouais, mais. Perso gynéco homme, c'est hors de question. J'avais un gynéco homme pour Liam. Et il m'a fait deux décollements. Surprise. Bref, pour Jade, je suis pas retournée chez lui. Pareil, je préfère professionnellement femme. Bah moi, je préfère personne en fait. Je préfère pas y aller. Mais ouais, là, alors les décollements surprises, merci, mais voilà quoi. Ça fait mal. Surtout que bah t'es pas préparé vu qu'il te le dit pas. Puis j'aurais bien voulu donner mon aval quand même. Être au courant. Pas avoir à rentrer chez moi en voiture toute seule alors qu'on vient de me faire un décollement, quoi. Un décollement. Bah, c'est pour essayer de déclencher un peu le travail, tu vois. J'ai eu de la chance que ça marche pas. Ah bah, il m'a pas demandé, hein. Ça a été surprise. Ah ouais, le bâtard. Bref, il m'a jamais revu. Ah ouais, non. Non, il te fait ça. Il m'a fait ça. Bah, le jour avant. Parce que juste forcément, il te fait un décollement, du coup, bah, il te reconvoque le lendemain. Mais toi, t'arrives à la maternité, tu ne sais pas pourquoi t'es convoqué, en fait. Bah, on vous déclenche aujourd'hui, madame. Ah bon, bah j'aurais bien aimé être au courant, enfin je sais pas, un minimum de communication, ça aurait été pas mal que je prévienne en fait mon homme qui vient de repartir au boulot. Voilà. Ça aurait été bien que je sache que je devais accoucher aujourd'hui en fait. Enfin bref, non mais c'est ouf. Et du coup, bah, il m'en a refait hein, quand je suis arrivée, il m'en a refait un le matin, voilà, pour essayer de déclencher les choses, mais ça n'a pas marché non plus. Hein. Du coup, bah, il aurait fallu me donner des cachets, c'était les cachets ou c'était le gel? Je crois que j'ai eu le gel pour Liam. J'ai eu le gel pour Liam. Avec Jade, j'ai eu les cachets pour le déclenchement. Coup de boule et savate, monsieur aurait plus de dents. Moi aussi, j'ai eu un décollement le jour du terme. J'ai douillé ma tronche. Ah, mais ça fait un mal de chien! Et du coup, j'avais rendez-vous le samedi d'après pour déclencher car terme dépassé. Ah non, moi, c'était parce que les analyses étaient pas bonnes et il fallait qu'ils sortent. Liam a 3 semaines d'avance et Jade, elle en a 4. Jade, elle est née à 37 et ça, pile. Bah, ouais. Le ballon plus le produit. Le ballon? Ah, moi, j'ai eu le gel, ouais. Et Jade, j'ai eu des cachets, mais ça marche moins bien que le gel. Sur le siège, j'aurais fait une étoile avec. Putain! Ah non, mais la surprise du truc, quoi. Oh, bah, je viens de vous faire un décollement, madame. Non, sans déconner. Bah, c'était ça. Ouais, d'accord. Toi, t'es là, t'es choquée, t'as mal. Bon, vous reviendrez demain, du coup. On vérifiera, machin. Oui, mais dans ce cas-là, tu me dis demain, vous venez, on vous déclenche, madame. Parce que oui, il était reparti bosser et tout. Bah, je le rappelle. Bah, tu peux revenir parce qu'en fait, ça va être là aujourd'hui.
Voilà. Enfin, je vous jure. La communication, non, il sait son truc, il fait son truc, et basta, il sait. T'es même pas une personne, un numéro, non, t'es rien en fait, c'est juste. Allez, je fais mon truc et. Ah non, c'était ouf. Donc, comment après veux-tu ne pas avoir d'appréhension à ce qu'on te touche? J'étais en suivi de grossesse pathologique en plus. Ah ouais! Il y a de gros manques d'empathie chez certains. Mais oui. Puis limite, le gars, il te fait payer déjà dès que t'arrives. Il te fait payer avant de te consulter ou quoi que ce soit, limite. Hein. Oui, c'est bon. Je vais passer à la caisse, je le sais, mais à un moment, tu peux peut-être attendre un peu et m'ausculter un minimum. Perso, je peux pas dire du mal du mien. Il m'a sauvé la couenne. Il m'a fait un frottis qui était positif au papillomavirus et grâce à lui, j'ai eu un rendez-vous en urgence avec un de ses collègues. Sans lui, c'était la merde. Attends. Après analyse, c'était cancéreux. Oh putain. Ouais. Ouais, bah oui. J'avais une maladie auto-immune, ils m'ont attendu le dernier moment pour déclencher alors que mes plaquettes se cassaient. Oh là là. Genre, non mais t'arrêtes toi. Bon, faut peut-être que j'y aille, hein. Est-ce que papy, il est là en stream ou pas? Oui! Bah, je vous envoie chez papy parce que, bah voilà, hein. Non mais le monsieur, il a payé, hein, de sa personne. Des bisous tout le monde. À demain. Hein? Prenez soin de vous et demain ouais, je verrai si je suis en forme dès le matin, si j'arrive à faire mes corvées rapidement. Je ferai peut-être stream matin et après-midi. OK? Des gros bisous et n'allez pas voir ma wishlist s'il vous plaît, c'est bon, j'ai pas besoin, ça va, tout va bien. Et arrêtez avec vos subs et tout. Embêtez papy par contre, ça vous avez le droit. Des gros bisous, merci pour vous tout. Voilà, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'est pas grave. Des gros bisous. À demain. Prenez soin de vous. Et embêtez papy.